Après, l'amour est dans le pré, l'amour est dans la forêt. Papy vient trouver l'amour de sa vie. Oui, on échange nos énergies. On est en train de les déranger. Ah, ben oui, on échange nos énergies très chères. Donc il me donne ses énergies qu'il reçoit de la Terre et du ciel, cosmique et tellurique. Et moi, je lui donne mes énergies merdiques. Il me donne sa force, je lui donne mes faiblesses. Il me donne son oxygène et je lui donne mon gaz carbonique. C'est un véritable échange. Tu peux pas comprendre parce que tu peux pas comprendre parce que tu peux pas comprendre. Et je lui fais des bisous parce que je l'aime. Et puis c'est tout. Bon, on va vous laisser entre amoureux. Moi, je vais aller discuter avec les autres arbres qui sont jaloux. Imagine, hein, tu dois faire pareil avec tous ces arbres-là. Au revoir. Au revoir. Oui. Moi, je continue ma route. Hein. Oui, tu peux bien. C'est pour ça que tu me suis? Tu peux bien. Ben, c'était bien. C'était bien avec ton arbre? Regarde, il t'appelle déjà là. C'était une belle salle d'amour. Ouais, après l'amour est dans le pré, l'amour est dans la forêt. Oui, alors, je vois pas le rapport là. Ben, l'amour est dans le pré. Oui, dans le pré de quoi? Ben, l'amour il est dans le pré. Oui, dans le pré de quoi? Ben, t'as jamais vu? J'en ai rien à foutre. Ben, moi je connais, mais j'ai jamais vu non plus. Ah! Et l'amour est dans la forêt? Ben, c'est moi. Ben voilà, c'est toi. Ben, l'amour est dans le pré, c'est des agriculteurs qui se mettent en couple. Ben, là, c'est toi qui te mets en couple avec un arbre. J'ai le droit. Mmh. Non? Arbrophile. Arbrophile? Ah bon? Ah, c'est beau ton truc, je te connaissais pas celle-là. Moi je croyais que j'étais végétophile, mais toi, non, arbrophile. Bah parce que c'est des arbres, t'es pas par terre en train de faire des bisous à l'herbe, à ce que je sache. Moi je pourrais là. Je pourrais. Hein. Ouais mais non, j'ai pas envie de boire. Ça, c'est ton œil pudique. Quand on est caméraman, caméra-woman comme toi. Ah mais c'est la caméra qui regardera, mais moi je détournerai le regard. Quand on est caméra-woman comme toi, on ne doit pas avoir un regard pudique. Et puis c'est tout. Tant pis si le vieux il embrasse l'herbe. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est toi qui l'embrasse l'herbe? C'est toi qui fais à la merde de chien qui est dedans? Non. C'est toi qui suce les limaces? Non. C'est toi qui bouffe les jonquilles? Non. Bah alors, laisse-moi sucer l'herbe. Que ça peut te foutre? Il va te regarder d'un autre œil. Hein. Complètement. Hein, ça vous change la vision d'un homme. Hein. Merci à vous, cinéphile prod Alexandra. Vous êtes une prod. Coupé. Coupé. Et... Ah, on le fait? Attends. On est prêt? Ça va être censuré. Va dans le métro, sale connasse. Ah merde, non, c'est va des rétro satanas, ouais. C'est pas ça? Coupé. On reprend. Oui. Va dans le métro, sale connasse. Non. Mais ça va être coupé au montage. Va des rétro, Satanas! Tremblement de terre! C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça y est, t'as assez joué? Non. Ça fait plaisir? Non. Moi. Bah, comment tu m'as dit tout à l'heure, je t'aime. Aussi grand que la galaxie. Je t'aime, elle m'a dit ma petite fille, je t'aime aussi grand, aussi fort que la galaxie. Et après, alors moi qui marche bien, ça m'a coupé les pattes, comme si j'étais cul de jatte. C'est beau quand même, non? Ah oui. Mmh. Bon. Et moi je t'aime comme... Regarde, t'es plein d'herbe, t'es plein de mousse, t'es plein de tout. C'est vrai. Et moi je t'aime comme des milliards. Des milliards de fourmis. De galaxies. Voilà. Il détruit quelque chose.